Bonjour, aujourd'hui donc on va voir l'infrastructure sur Excel et la recherche Excel. Donc ici par exemple je prends l'île et le signe et je veux donc voir leurs notes dans ces matières, pour ces trois, pour ces deux éléments par exemple. Donc la première chose, je mets égal recherche de l'île. Je prends donc l'île ici B11. Point virgule, si je sélectionne la matrice, ici, comme vous voyez, lorsque je me déplace, il y a ici, à côté de 16, ici, voilà, ici, 16L fois 2C, c'est-à-dire sixième ligne et deuxième colonne. Donc, je suis ici, sixième ligne, troisième colonne, ainsi de suite. Mais moi, ici, c'est deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Donc, je mets point virgule, deuxième colonne pour l'instant parce que c'est physique, il est ici dans la deuxième colonne ici, point virgule 0, bien sûr, pour dire que c'est la cuisine. Donc c'est entré. Mais voyez, lorsque je me déplace ici, vous voyez ici que c'est ici, c'est B11, alors que ici, c'est C11. Parce que lorsque j'y glisse, le B il suit C et il suit encore ici D. Alors que moi, je vais toujours Zineb. Donc, ici, je sélectionne, j'appuie sur F4 et je supprime le dollar de la droite. En même temps, ici, il y a A2, D7, lorsque je glisse, il y a B2, E7, etc. Donc, pour figer, je clique sur F4 et je fige ici la matrice. Et je laisse le 2. Ici 12, lorsque je glisse, il y a 12. Alors que ici c'est la troisième colonne, c'est mes trois donc, et ici c'est la quatrième colonne, c'est-à-dire et je mets ici 4. Donc il y a 12, 16, 16, c'est la origine. Ensuite, je peux laisser comme ça, et il y a la note de 12. Attendez ici. Voilà donc. Ah, j'ai mis ici une bouche avant que je vais mettre ici, par exemple, Kamel. Voilà. Donc, c'est la note de Kamel. OK? Mais je peux faire une chose. Je peux, si vous savez, par exemple, parfois la matrice, il est très lent. Voilà. Par exemple, comme ça, lorsque la matrice, je vais prendre, par exemple, comme ça, lorsque la matrice est très lent, je peux pas, m'amuser toujours à faire ici 2, 3. Donc, qu'est-ce que je fais ici 2, 3, je fais ici comme ça, je mets ici 2, je sélectionne, je mets F4, lorsque le dollar est à droite, ça y est donc, je fais ici comme ça, attendez parce que la matrice est ici, ici. Il se limite ici, alors que pour la matrice, il va jusqu'à G. Donc, je clique et je mets ici G. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Parce que la matrice, elle est très longue comme ça, on peut faire comme ça. OK? Ou bien, on peut faire une autre chose. Par exemple, ici, c'est la deuxième colonne. Donc, ici, pour moi, ici, c'est la deuxième colonne. Et ici, c'est la troisième colonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux faire comme ça. C'est la colonne. Ici, colonne. Mais puisque je suis ici sur la deuxième colonne, alors que je suis sur la troisième colonne, je suis moins 1. Je suis moins 1. C'est-à-dire la deuxième colonne. Je peux baisser comme ça. Mais l'inconvénient de cette colonne, le fait de faire colonne, lorsque j'insère ici une colonne, par exemple, voilà. C'est parce que lui, ici, il prend la quatrième colonne, alors que pour moi, c'est la deuxième colonne, et si c'est la quatrième colonne moins 1, c'est la troisième colonne, alors que je suis ici sur la deuxième colonne. Donc, inutile de faire les colonnes que lorsque vous êtes sûr que vous n'allez pas insérer d'autres colonnes. Sinon, vous pouvez faire ceci. Et, comme ça. Voilà, je prenais le dollar de la gauche. Et vous faites comme ça. Dans ce cas, même si vous insérez plusieurs colonnes ici,
toujours elles restent, parce que c'est deux, trois ici, elles sont toujours payées. Lorsque vous supprimez ceci, c'est sûr. Donc, ou bien vous ne le faites pas gratuitement, il donne le C, 2, 3, 4, etc. Ok? À la prochaine.